capitaine. Et deuxièmement, c'est bon, Monsieur Camara. Ensuite, Monsieur Camara, c'est bon. C'est bon. Vous avez dit que vous n'avez ordonné l'arrestation de personne. Mon capitaine, d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, dites-nous comment vous avez connu le commandant Toumba. Le commandant Toumba, Diakité. Mais j'ai été clair au départ ici. J'ai dit, je l'ai connu par le biais de son maître, Claude Pivy. C'est vous qui êtes allé vers lui ou bien c'est lui qui est venu vers vous? C'est Claude Pivy qui est venu vers moi pour me le recommander. Il avait un de ses petits qui avait des problèmes. Sa maman était malade. C'était dans ce contexte. Bien. Est-ce que vous vous rappelez du nom de cette personne qui, pendant que vous étiez dans la salle où le général Toto avait déjà pris les leviers de la commande, la personne qui est venue briser la porte entrée, est-ce que vous connaissez cette personne? Reprenez la question. Quand vous étiez tous assis au moment de la prise du pouvoir au Kangal Fayaya, le général Toto était là. Colonel Tiegoro assurait le secrétariat. Le pouvoir était presque fini d'être pris par lui. Une personne est venue en brisant la porte. Bon, maître, récupérer le pouvoir. Ouais, je veux juste vous faire savoir que toutes ces allégations étaient faites dans le but de distraire l'esprit de la cour ou de ne pas revenir sur les faits réels. C'était l'objectif. Ça a été taillé sous forme pyramidale dont les structures ne tiennent pas. Ça n'a jamais été comme ça. Et pour preuve, je vous prie de bien vouloir demander le général Mathurin. Lorsque M. Toumba Diakité vient dire ses allégations, il a tout à fait raison. Parce qu'il sait ce qu'il a fait le jour du 28 septembre. Donc, il a passé tout le temps à se préparer. Il fallait donc détruire, endormir la conscience, c'est-à-dire faire quitter l'essentiel, le process sur lequel nous sommes, le véritable sujet, aller ailleurs pour attirer l'attention des gens. Mais moi, je ne suis pas ça. Voilà, c'était une forme de distraire l'esprit, l'intelligence des Guinéens. C'est tout. Bien, d'accord. Mon capitaine, le commandant de votre salon à l'époque, qui vous a empêché d'allumer la voiture, pourquoi vous l'avez giflé? Pourquoi? Que, reprenez. Le commandant de votre salon. Ouais. Qui, quand vous avez voulu quitter le camp pour venir au stade, vous avez ouvert la portière de la voiture, vous avez pris place à l'intérieur. Lui, il est venu récupérer la clé de la voiture. Vous lui avez donné une paire de gifles, n'est-ce pas? Ce sont des allégations, maître. Vous savez, le problème, c'est quoi, maître? Vous savez, lorsque quelqu'un a fait un acte, il sait qu'il est plongé là-dedans. Je veux toujours parler de M. Toumba, et je réitère, M. Toumba, s'il a la possibilité encore de dire autre chose plus grave que ça, il va le dire. Quelqu'un que tu as voulu tuer, tu n'as pas pu. Il est devant toi. Quelle est maintenant l'allégation que tu peux dire? Non, quand même, c'est un peu ça. Il est dans ses raisons. Hein. Moi, je lui donne raison. Parce qu'il ne pouvait jamais imaginer que je pouvais être en face devant lui. Donc, toutes ces allégations qu'il dit, c'est juste... il a ses raisons. Mais, puisque nous sommes devant un tribunal criminel, c'est au tribunal criminel et à Monsieur le Président de faire la part des choses. D'accord. D'accord. Dites-moi, mon capitaine, si vous aviez senti d'être trahi par le général Konaté ou ses hommes, pourquoi vous ne l'avez pas fait arrêter ou bien limogé tout au moins? Parce que c'est vous qui l'aviez nommé. Reprenez votre question, maître. Si
à un moment donné de votre règne, vous aviez senti d'être trahi par le général Konaté ou ses hommes. Pourquoi vous ne l'avez pas limogé, au moins, ou bien le fait arrêter? Qui? Général Konaté. Merci pour cette question. En toute sincérité, et je le dis entre Dieu et ma prière, sur la tête de mes enfants et de ma progéniture, ce que vous dites, je n'allais pas dire ça. Le général Sekouba est venu me voir dans mon bureau. Sauf si je mens, que Dieu va me punir. Il me dit, monsieur le président, eu égard à la situation, je veux que tu me nommes comme conseiller auprès de toi et tu prends le colonel David comme ministre de la Défense. Quand il m'a dit ça, mon sens c'était quoi? J'ai dit non. Te nommer conseiller auprès de moi, qu'est-ce que tes hommes vont penser? J'ai refusé, maître. J'ai dit que c'est un jeu. Et le jeu, savez-vous, aujourd'hui, j'ai compris que c'était un jeu. Si à l'époque, j'acceptais le nommer conseiller, général Sekouba Konaté, conseiller auprès du président Dadis, et nommer un parent, parce que lui-même, il a dit le nom du colonel, mon parent, de le nommer. Donc, tout ce qui s'est passé, qui se passe maintenant, et l'affaire de Kalea et de ceci, mais ils allaient confirmer, oui, effectivement, il avait limogé le général Sekouba Konaté, maître son parent. Donc, c'est pour vous dire que, maître, quand on est honnête, c'est Dieu qui paye. Hein. Je suis devant vous en train de parler comme ça, devant l'auguste tribunal de maître. Je ne suis pas force. C'est parce que j'ai peur de Dieu. Sinon, je ne serai plus dans ce monde. Donc, tout ce que je dois dire aujourd'hui, je dois voir le bon Dieu. Dire la vérité, rien que la vérité. C'est ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas peur d'un homme, je n'ai peur que de Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qui fait aujourd'hui que je suis en face. D'autres questions? Voilà. Mon capitaine, oui. Dites-nous, comment vous êtes lié à M. Marcel? Et quel poste de responsabilité occupait-il au moment des faits? Pour être sincère, vous savez, pendant la réclamation des salaires des militaires, le camp Al-Faya étant le camp Al-Faya à l'époque, et quand ces jeunes-là se déplaçaient pour venir au camp Samori, c'est ce jour que j'ai aperçu Marcel dans les tirs. J'y avançais et je suis allé leur calmer. Et quand je les ai calmés, ils sont repartis au camp Al-Faya. Plus tard, et les mêmes choses ont commencé, comme d'ailleurs les leaders le faisaient, bulletin rouge et ainsi de suite. Alors plus tard, ces jeunes ont commencé à me rendre visite au camp Samori. Et la particularité de nos relations, comme je vous le dis, ça ne dépend pas de moi, ça c'est dans toutes les coutumes. Chez nous, nous les considérons comme des neveux, ils nous considèrent comme des oncles. Ça, c'est depuis les aïeux. Voilà un peu la relation qui nous lie. Et quand peut-être les gens apprennent « Ah, le neveu de Dadi », c'est comme si c'était l'enfant à ma sœur. Non, tous les Thomas, dans les règles de l'art, dans les règles coutumières, sont mes neveux, sont mes nièces, et je suis leur oncle. Donc on n'a pas besoin de chercher de midi à 14. C'est comme ça chez nous, notre coutume. Voilà un peu la singularité
D'accord. Maintenant, il occupait quel poste de responsabilité? Il était avec Toumba. Il était avec Toumba. D'accord. Mon capitaine, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le carnage au stade du 28 septembre, pourquoi refuser que les leaders politiques blessés grièvement sortent du pays pour aller se soigner? Pourquoi? Je reprenais la question, maître. Si vous n'avez pas souhaité, si vous n'avez pas voulu qu'il y ait le massacre au stade du 28 septembre, pourquoi vous avez empêché les blessés de sortir du pays pour aller se soigner, notamment les leaders politiques? Merci pour la question. D'abord, je commence par rectifier la question. Je n'ai pas ordonné ou organisé le massacre du 28 septembre avant de répondre à votre question. Le cas des blessés des leaders que vous faites allusion, je pense que M. le procureur a bel et bien fait une lecture hier, et dans cette lecture, j'étais assis, j'attendais attentivement la conclusion. Mais cette conclusion, j'en étais effectivement satisfait. Cette conclusion, j'en étais satisfait. Pourquoi? Parce que M. le procureur a dit, après maintes tractations, que les leaders politiques sont venus me voir et j'ai donné l'accord, le feu vert à M. Elal Seloudalin qui devrait voyager. Donc, je pense que là, il n'y a pas de débat à ce niveau. J'ai fini avec le procureur hier. Le procureur a été très clair. Il a fait la lecture et j'ai dit à M. le procureur, nous sommes dans la même logique. Si le procureur disait hier que, à l'époque, le capitaine Dadis avait refusé, ça allait être autre chose. Mais si le procureur lui-même a dit que lorsque les religieux sont venus, j'ai donné mon accord, je pense que je n'ai plus d'autres détails à faire à ce niveau, maître. Mon capitaine, oui. Reconnaissez-vous avoir reçu l'intervention du président Abdoulaye Wade du Sénégal, de l'ambassadeur de France en Guinée à l'époque, du représentant des Nations Unies et pour la sortie, pour que vous acceptiez que M. Seloudalin sorte, vous le reconnaissez? Ici, maître, je ne veux pas rentrer, c'est des grandes personnalités. Je ne vais pas donner des affirmations gratuites ici. Et maître Abdoulaye Wade, c'est un père à moi, je le respecte. Il ne faudrait pas que les gens fassent des allégations sur cette grande personnalité. Non. Non. Pour dire que il a fallu le président Wade pour que je puisse faire ceci, cela, il faut que les gens cessent. Les gens n'ont qu'à s'occuper des événements, des faits réels du 28 septembre. C'est ce qui est le plus important. Est-ce qu'il y a eu ça? Monsieur le Président? Est-ce qu'il y a eu ça? Il n'y a pas eu ça, Monsieur le Président. D'autres questions? Bien.